Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes semaines et que les tirages, enfin les différents tirages que je vous ai proposés vous ont convenu. Donc nous voilà pour un nouvel horoscope pour la semaine du 17 octobre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter cette semaine-là. Donc une part, la fin des balances, un troisième décan, et le tout début des scorpions, le 23 ou 24. Donc ça, donc vous avez pu le remarquer que je vous ai proposé plusieurs petites capsules avec des tirages au choix, donc ils sont complètement intemporels. Donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, vous pouvez choisir les trois tas ou un seul, enfin selon votre ressenti, selon votre intuition. Hein, mais sachez que vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Hein, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc cette semaine, quelques petites nouveautés, hein, je vais reprendre certaines choses que j'avais laissées de côté, notamment la numérologie, donc en début de chaque signe, vous aurez un numéro avec sa signification, ainsi qu'une carte avec un animal, hein, donc avec l'oracle de l'esprit des animaux. Donc là aussi, vous aurez une explication, une symbolique. Donc voilà, des petits changements à ce niveau-là. Sinon, bah, je remercie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Cette semaine, il y en a eu pas mal de nouveaux. Et de nouvelles. Donc, ça fait toujours plaisir de voir ce petit chiffre augmenter. Hein. Ensuite, bah, merci à tous vos commentaires. Hein. Il y en a eu pas mal cette semaine. Apparemment, vous avez pas mal apprécié le tirage. Donc, continuez à liker, partager. Hein. Plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Et puis, je pourrais vous proposer d'autres choses encore, des directs live à partir de 1000 abonnés. C'est déjà, il y a des possibilités qui sont autres. Sinon, je regarde mon anti-sèche. Oui, donc je vais aussi vous continuer bon, de vous proposer des tirages avec des choix, puisqu'apparemment ça vous plaît bien. Donc avec des thèmes différents. Donc si vous avez des thèmes à proposer, bah, n'hésitez pas à me les communiquer. Sinon, je vais tâcher aussi de faire, bon, selon mon temps et mon planning, de voir si je peux pas vous proposer des petites capsules, bon, pas forcément en relation avec le tirage de cartes, mais sur des thèmes, hein, que ça soit les chakras, la méditation, les synchronicités, la loi d'attraction, hein, des petites capsules qui dureront pas très 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 longtemps, mais qui peuvent être intéressants et nous permettre d'échanger. Puis vous aussi, vous pouvez suggérer certains sujets pour voir ce que mon avis à moi. Hein, c'est comme on dit, on a chacun notre vérité, donc ça peut toujours être intéressant pour le partage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, cette semaine, un petit tirage un petit peu plus particulier que d'habitude. D'autres jeux que j'utilisais plus. Et donc, voilà, je crois que je vous ai dit le principal. Donc, une très bonne écoute, et comme d'habitude, et là, tout est toujours là. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle réellement. Hein. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et là, au même temps, je vais aussi vous proposer votre signe opposé. Hein, donc, ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce signe opposé au moment de votre naissance. Voilà. Namasté. C'est les Gémeaux, les Gémettes. Alors, pour commencer, une petite nouveauté cette semaine. Donc, je vais vous lire un message du mini oracle des archanges. Oui, je sais, c'est un peu rapide. Donc, vous avez eu l'archange Michael, suivre son cœur. Donc, on va dire, c'est plus un message côté zen, spirituel, développement personnel, ce en quoi, en ou en qui vous croyez. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure.
En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre, avance avec confiance sur ton chemin. Donc vous voyez, je pense que cette semaine, ça va être suivez votre instinct, suivez votre intuition, ce en quoi vous croyez. Hein. Donc faites confiance à ça, hein, on va dire ça comme ça. Pardon. Donc voilà, petit message. Alors ensuite, pour vous, les Gémeaux, votre signe opposé polaire, c'est le Sagittaire. C'est-à-dire le signe opposé lors de votre naissance. Donc si jamais cette vidéo ne vous convient pas ou ne vous parle pas, soit vous allez voir votre ascendant et vous pouvez aller voir aussi les Sagittaires. Hein, ça peut vous donner vous apporter des informations. Ensuite, avec l'oracle de l'esprit des animaux, vous avez eu un beau petit porc-épic. Donc au niveau de, comment dire, de la symbolique, pardon, je cherche mon mot, puis en même temps je regarde mon anti-sèche. Bah oui, je vous dis tout. Donc il y a vraiment, c'est le côté, alors on va voir après avec le reste des cartes, hein, mais bon, pour vous cette semaine, il y a un côté vraiment d'échange, de communication, il y a vraiment un côté de gentillesse, d'harmonie, d'osmose, hein, et en même temps, il y a ce côté d'ouverture d'esprit. Hein, donc vous allez écouter les autres, ou les autres vont vous écouter, mais c'est surtout, on va vous faire confiance, on va vous demander des conseils. Il y a vraiment ce côté, on sait que vous êtes toujours là pour les autres quand il le faut. Hein. Sauf pour les emmerdeurs, évidemment, parce qu'il y en a toujours. Ensuite, avec la numérologie, vous avez le numéro 3. Hein, et donc là, c'est pareil, c'est tout ce qui est l'expression, les échanges, la communication. Vous voyez, cette semaine, vous êtes comme les lions ou comme les balances. C'est vraiment des signes où il y a ce chiffre-là qui prédomine, et en même temps, il y a vraiment ce côté de... Donc ça peut être des négociations, hein, ça tout simplement, des échanges au niveau familial, professionnel, mais il va y avoir beaucoup de... Ça peut être aussi des écrits, hein, c'est pas forcément que de la parole, il y a des coups de fil, enfin bon, ça va bouger au niveau relationnel, il va y avoir du monde autour de vous. Hein. Donc ensuite, avec l'oracle de la vie au quotidien, vous avez... Dites oui et merci, bah oui, quand on est poli, hein, normal. L'abondance cogne à votre porte, hein, que demander mieux. Ouvrez-lui, bah oui, ça vous avez intérêt surtout en ce moment. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Donc vous voyez, c'est une très bonne semaine. Comme je vous dis, il va y avoir des échanges, c'est vraiment... Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se confirment, qui se concrétisent, et c'est vraiment des très bonnes choses. Donc en même temps, là, je veux dire, ça va bouger, il y a vraiment de l'interaction avec votre entourage et votre environnement. Donc on va voir le reste des cartes. Donc avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu profond silence, méditation. Donc je pense que c'est le côté aussi, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, où ça va être vraiment assez speed, mais dans le bon mot du terme, dans le bon sens du terme, on va dire ça comme ça, où c'est vraiment, c'est très actif, ça bouge cette semaine pour vous, mais en même temps, il faut penser à vous ménager, et en même temps à savoir prendre du recul pour pas précipiter trop les choses, hein, et comme on dit, mettre la charrue avant les bœufs. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, hein, y compris pour vous, et donc en même temps, essayez de vous isoler un petit peu, de vraiment, pour être sûr de... En même temps, c'est pour vous ressourcer, hein, sur tout ça, hein, parce que vous allez vraiment être dans l'action, et donc c'est pour vous ressourcer, et puis en même temps, pour être sûr que vous avez bien toutes les cartes en main, car vous avez bien une vue d'ensemble sur ce qui vous entoure. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, le côté profond silence et méditation, c'est vraiment prendre du temps pour vous et ne pas précipiter les choses. Je pense qu'il y a deux significations à ça. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu tout va bien. Donc, vous voyez, donc ça ne sert à rien de précipiter parce que je pense qu'évidemment, on arrive à des périodes relativement difficiles pour tout le monde. Et quand il y a quelque chose de positif, de bien... On veut précipiter les choses, on veut aller plus vite parce qu'on s'est dit, bon, autant en profiter tout de suite. Mais non, attention, faut penser aussi à moyen et long terme. Oui, j'avale trop d'air. Donc, je vous lis. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Puis, si vous vous rappelez du message de l'archange, vous êtes dans de bonnes conditions, vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, ça sert à rien. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, hein, vous êtes dans la bonne dynamique. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 4 de terre.
frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Vous voyez, il y a vraiment ce côté pour vous, là, les Gémeaux et les Gémettes, où il y a vraiment de l'échange, il y a vraiment... vous, en même temps, vous voulez penser à tout le monde. Il y a vraiment ce côté bon, du porc qui pique, où vous êtes vraiment gentil, vous avez une ouverture d'esprit. Et il y a vraiment ce côté de partage et bon, surtout de faire profiter ceux que vous aimez et qui vous aiment. Vraiment de faire partager de cette harmonie, de cette dynamique. Hein. Donc, après, évidemment, vous, vous allez faire sans doute aussi des sélections parce que vous ne pouvez pas partager avec tout le monde. Bon, ça, c'est ce que je ressens. Après, à vous de voir en fonction de la situation. Mais franchement, cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là de l'échange. On avance, on est dans de bonnes dispositions, hein, on est dans les bonnes actions, mais voilà, il faut vous ménager aussi. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, ensuite, avec la carte mystère, vous avez eu abondance. Vous voyez, vous êtes vraiment dans des bonnes vibrations, dans des bonnes ondes et dans la bonne direction. Donc, continue comme ça, les Gémeaux et les Gémettes, tout va bien se passer. Namasté.